Atterrissage de l'avion en provenance de Bruxelles. Un vol considéré comme sensible depuis les événements, tous les passagers seront contrôlés. Que ce soit avec cette machine ou manuellement, la police aux frontières traque les faux documents d'identité. Et pour cela, il existe plusieurs indices. La lumière, la loupe, l'ultraviolet et évidemment, oui, le toucher, le regard et la lumière traversante. Le faux se détecte encore mieux de manière manuelle qu'à la machine. Une opération aisée pour Guillaume Crivellaro, l'un des trois analystes de Lille en fraude documentaire. Aujourd'hui, il forme les collègues de son service et voici comment réagit un faux. Je le mets sous les ultraviolets. Il bleute, là on le voit. Il bleute énormément. 98% des faux passeports sont décelés sur les ultraviolets. Il est très difficile pour le faussaire de trouver du papier de qualité fiduciaire, c'est-à-dire qui soit neutre, qui ne réagisse pas aux ultraviolets. Ici, pas de réaction aux ultraviolets. Il s'agit pourtant d'un passeport authentique, trafiqué. En 2017, la police aux frontières de Corse a saisi 90 faux documents d'identité contre 1540 au plan national, soit 5% de cette saisie totale. Ces chiffres importants dans l'île s'expliquent par une certaine attractivité. Ce sont essentiellement des gens qui viennent, des étrangers sans titre, qui viennent en Corse pour travailler dans le secteur du BTP, le secteur agricole, le secteur de la restauration, et donc qui, par le moyen de faux documents, de documents falsifiés, contrefaits, viennent ici pour tenter d'obtenir un emploi régulier ou pas d'ailleurs. Au plan local et national, la saisie de faux documents d'identité ne fait que progresser en raison de la lutte contre le risque terroriste et la radicalisation.